Bonjour, je m'appelle Léa Naudren, j'ai 17 ans. Ça fait 11 ans que je suis ici à l'école intercommunale de Barentin-Pavilly. J'ai commencé le modern jazz à l'âge de 6 ans, puis à l'âge de 11 ans, j'ai fait du classique avant d'intégrer un atelier chorégraphique en 2018. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon cursus classique, de la danse classique. Alors pour moi, la danse classique se définit comme la base de toute autre danse. Mais c'est pas que ça. Hein. Le classique, oui, on apprend la technique, on apprend les pas de base, mais c'est aussi un sport. En plus d'être un art, ça reste un sport, une activité sportive. Je pense que pour être une bonne danseuse ou un bon danseur classique, il faut être minutieux, attentif à ce qu'on fait. Il faut avoir du courage, il faut avoir envie, il faut avoir de la persévérance. Ça reste une discipline où voilà, il y a beaucoup de rigueur. La danse classique, est-ce que c'est dur? Oui, c'est dur. Ça reste une activité sportive. Avec des efforts physiques, d'autant plus que c'est vrai que quand on fait de la danse classique, on utilise l'ensemble de notre corps, l'ensemble de nos muscles. D'ailleurs, nous, je dis nous, dans mon cours de danse, en fait, on aime bien justement avoir un peu mal, on aime bien se lancer des défis et à la fin du cours se dire on a mal, on a travaillé et ça nous plaît. Cette discipline m'a beaucoup apporté d'un point de vue technique, surtout quand on fait plusieurs cours, plusieurs styles de danse. Je pense qu'en hip-hop, en modern jazz ou en contemporain, c'est nécessaire d'avoir de bonnes bases de classique. C'est vrai que moi, depuis que je fais du classique, je me sens plus à l'aise en jazz. Et inversement, en jazz, le fait de faire du jazz fait que je suis plus à l'aise en classique. Ça m'apporte aussi beaucoup quand je suis sur scène, quand je danse. Je réfléchis moins au côté technique, je suis plus dans l'interprétation. Et même dans la vie de tous les jours, le classique m'a beaucoup apporté en persévérance. Ça m'oblige à aller au-delà de moi-même, à toujours essayer. Et c'est vrai que quand on a un petit échec, bah, on essaye jusqu'à y arriver. Je vais vous présenter donc une chorégraphie que j'ai créée. C'est un style plutôt urbain. C'est urbain. C'est urbain. Je vais vous présenter une chorégraphie que j'ai créée. C'est dans un style plus urbain, peut-être hip-hop. C'est vrai que je voulais montrer qu'en faisant du classique, on s'ouvre plusieurs portes, qu'on a un bagage vraiment, que c'est toujours un plus d'avoir fait du classique et d'avoir une bonne technique et de bonnes bases. Merci beaucoup et au revoir. You met me at the perfect time.